Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Nous allons jouer avec Paulette et Annie ce matin pour commencer. Paulette et Annie qui reviennent pour la troisième fois déjà, c'est donc leur dernière chance de remporter la cagnotte. On leur souhaite bonne chance. Elles seront opposées à Christelle et à sa sœur Karine. Christelle et Karine qui viennent de Nancy. Karine est animatrice en crèche, elle est également entraîneur de gymnastique, elle nous en parlera un petit peu plus tard. Christelle, elle, est coiffeuse à domicile et elle aime les tatouages, elle en a 5. Bonne chance à toutes les deux. Vous ne le savez pas, mais il a une tête de mort tatouée dans le dos et un loup sur l'épaule comme Johnny, Thierry Cœur de Rocker Beccaro. Ah oui, faut que j'aille vérifier parce que je suis pas au courant. Ah bon? Ah oui, vous avez parlé de tatouage là, c'est ça? Eh oui. Eh ben on va en parler dans un petit instant, ça m'intéresse toujours. Je suis pas très... Ou alors un tout petit truc, mais vraiment minuscule, ouais, vraiment, ou un tableau, une scène. La scène carrément dans le dos. Vous vous rendez compte? Avec Jésus, avec les apôtres, avec tout le monde. Bonne chance, hein. Et non, faut être courageux. Mais il y a des, enfin, on en parlera dans un petit instant, mais il y a des, c'est incroyable, ils sont tatoués partout. Il n'y a plus une place. Puis on ne peut pas effacer. Peut-être, mais c'est un peu compliqué. C'est douloureux surtout. Encore plus douloureux de faire effacer que de se faire tatouer. Il paraît, oui. Vous allez bien, mesdames et messieurs. Je ne vous ai pas encore salué. Je le fais maintenant, avant que ce ne soit trop tard. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Annie, bonjour Paulette. Bonjour Thierry. Vous allez bien, Annie? Très, très bien. Alors, vous nous rappelez que vous venez de... La région parisienne. Région parisienne. Et vous, Paulette? Région parisienne. Même chose. Vous êtes là pour la troisième fois et vous allez tenter de décrocher cette fameuse cagnotte qui n'en finit pas de grimper. Et vous jouerez contre Karine et Christelle. Bonjour Karine. Bonjour. Alors, d'où venez-vous Karine? Je viens de Nancy. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie Karine? Je travaille dans une crèche. Dans une crèche animatrice. Hein, c'est... Animatrice en crèche. Vous vous occupez des enfants. L'autre jour, j'ai eu la chance de rencontrer une charmante petite demoiselle, Elsa, la petite fille d'Élodie. Elle s'est plutôt bien comportée. Elle était assez contente d'être sur le plateau, oui. Hein, Tom. Et dans vos bras, Thierry, puisqu'elle vous faisait que des sourires. Ouais. Donc je vais embrasser sa maman si elle nous regarde. Je pense qu'elle nous regarde. Élodie, un gros bisou. Alors, Karine, c'est vous qui êtes concernée par le tatouage ou c'est Christelle? Non, c'est Christelle. Alors, parlons un petit peu de ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christelle? Je suis coiffeuse à domicile. Coiffeuse? Voilà. Et à vos heures perdues? Tatouée. Et vous êtes vraiment passionné par oui, tatouage. Et ça oui. S'exprime de quelle façon? Il y en a beaucoup? Il y en a 5. Ah oui, quand même. Oui. 5 qui représentent, si je ne suis pas indiscret, vous me dites. Il y a une tête d'éléphant. Une tête d'éléphant? Oui. Ensuite? Une rose avec un tribal. Oui. 2 tribales au poignet avec le prénom de mon fils en chinois. D'accord. Et le portrait de mon fils. Alors le tribal, si Dominique ici. Peut nous montrer, tendez bien le bras devant, celui-là. Comme ça qu'on essaie d'apercevoir. Et il y a l'autre, juste ici. Ah, c'est ça, là, c'est oui, voilà. Il y a pas mal, il y a des joueurs c'est de foot. C'est des bracelets. Oui, ça voilà. Fait comme des bracelets. Voilà, à vie, qui ne se perdent pas, qui ne s'abîment pas. Ah bah là, moi c'est tranquille, je peux toujours essayer Parfait. Vous pouvez toujours essayer de me le prendre. Hein. Ah bah j'y arriverai pas. En tout cas, merci pour ces explications, Christelle. Merci beaucoup. Voici pour commencer la partie, les grilles. La grille de Christelle et de Karine. Avec un numéro. On va appeler le numéro magique. Qui est le numéro 3. Le 3, Karine. Le 3. Si vous tombez sur le 3, vous le déposez devant vous. Et si jamais au cours de la partie, vous prenez une boule noire, vous brandirez fièrement ce numéro 3. Et vous pourrez continuer à jouer. Paulette, Annie. Votre grille. Donc on va oublier là j'oublie le 12 tout de suite. Et c'était le 22. Encore. Je ne fais aucun commentaire. Ah, c'est louche. C'est aléatoire, hein, mais oui, dit. C'est aléatoire, Thierry. Ça change tous les jours. Mais simplement, vous ne trouvez pas, alors ça vous énerve. Non. C'est aléatoire. C'est-à-dire qu'on joue avec 3 numéros. Le 22, le 54. Vous êtes de mauvaise foi. Et le 16. Non? Alors, on va souhaiter bonne chance quand même. Olivier, on peut souhaiter bonne chance à nos 4 candidates. En leur souhaitant de tomber sur la boule magique.
Et on va parler d'argent, Tom. Une belle cagnotte à gagner aujourd'hui, Thierry. 4000 euros dans la tirelire. Ce serait pas mal, ça. Hein ouais. Ça coûte cher, un tatouage? Ça peut, oui. Selon la taille. Selon le travail à faire. Donc l'éléphant, j'imagine. Non, parce que si la tête n'est pas très grosse. Ah, d'accord, ok. C'est moi, j'imaginais le... la taille réelle, bam. La tête d'éléphant avec les oreilles quand il n'est pas content. Et la trompe. Non, on peut faire, oui, évidemment. C'est ça, mais en petit. Hein. En petit, voilà, absolument. Nous jouons avec des mots de... 9 lettres. 9 lettres, Christelle. Bonne chance. Merci. Voici la lettre C. Coiffeuse. C-O-I-F-F-E-U-S-E. Coudray. C-O-U-D-R-A-I-E-S. Je suis perdue. Campagnard. C-A-M-P-A-G-N-A-R. Trop tard. Oh, okay. C'est que le début de la partie. Oui, c'est pas grave. À tout à l'heure, Christelle, Karine, bonne chance, Paulette. Voici la lettre bonus. Confiseur, C-O-N-F-I-S-E-U-R. Confusion, C-O-N-F-U-S-I-O-N. Bravo, Annie. Allez, au mélange. Alors, le numéro magique pour Paulette, c'est le 22. Paulette et Annie. 70. Paulette, c'est à vous de jouer. Voici la lettre R. Rappelant, R-A-P-P-E-L-A-N-T. Roucouler, R-O-U-C-O-U-L-E. Vous vous êtes arrêté trop tôt, Annie. Christelle, la lettre bonus, c'est la lettre I. Rabougris, R-A-B-O-U-G-R-I-S. Ristourne, R-I-S-T-O-U-R-N-E. Ripostant, R-I-P-O-S-T-A-N-T. Roumaine, R-O-U-M-A-I-N-E-S. Moi, je l'ai. Mais il a trouvé il en trouve un sur... un ou 15 ans. À vous. Ripailler, R-I-P-A-I-2-L-E-R. C'est pas compliqué, je l'ai trouvé à la première ligne. Oh, trop fort. Trop fort, Thierry. Paulette, qui a l'habitude, qui connaît bien le présentateur. C'est pas possible. Aïe. Aïe, la boulette. La boule noire pour Paulette et Christelle. Vous allez finir par marquer 50 points. Ça, non, mais ça va arriver. Voici la lettre L. Lointaine. L-O-I-N-T-A-I-N-E. Largement, L-A-R-G-E-M-E-N-T. Lionceau, L-I-O-N-C-E-A-U-I. Je me suis arrêtée. Eh oui, il en fallait plusieurs. Mais j'étais sûre. Malheureusement, Christelle. Paulette, une autre lettre pour vous aider. Lardrerie, L-A-R-D-E-D-R-I-E. Christelle, c'est plutôt pas mal, hein. Vous avez récupéré le A. Lionceau, L-I-O-N-C-E-A-U-X. Libanaise, L-I-B-A-N-A-I-S-E. Laudateur, L-A-U-D-A-T-E-U-R. Je vous l'avais dit,
Ça devait finir par arriver, c'était pas possible autrement. Voulez-vous mélanger, Christelle, s'il vous plaît? Oh, quoi? Eh ben, dis donc. Pas de chance. Ben voilà, c'est, on va dire ça comme ça. Vous n'avez que 50 points de retard, tout va bien. Oui, ça va.